allez bien aujourd'hui? Et aujourd'hui je vous reviens avec une petite vidéo très spéciale si on peut dire ça, car Noël s'en vient à grands pas. Puis j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté pour Oliver en fait pour son bas de Noël. Alors j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté pour son bas de Noël, des petites choses vraiment ici et là que j'ai trouvé. La majorité ce sont des Dollarama, donc je vous dirais qu'il y a beaucoup moins de 5$, mais par contre j'en ai acheté pas mal, donc ça c'est un sac réutilisable, puis c'est à la moitié plein. Donc ce sont vraiment des petits jouets, des petites choses, gâteries, etc. que vous pouvez mettre éventuellement dans le bas de votre enfant. C'est sûr que pour ceux et celles qui me suivent depuis peu, j'ai un fils qui s'appelle Oliver qui a 2 ans et 3 mois déjà. Et voilà! Donc sur ce, je commence à vous montrer ce que je vais mettre dans le bas de Noël de Oliver. Alors ici je commence, comme je vous dis la majorité des choses sont des Dollarama, donc je l'ai pris des sifflets car dernièrement il adore comme siffler, il adore les flûtes, tout ce qui est musique, etc. Donc ici j'ai trouvé chez Dollarama 6 sifflets pour 1,25$. Donc voilà, ça a l'air à ça. Puis moi je vais les ouvrir au fond, puis je vais en mettre 2-3 peut-être, je vais pas tout mettre le 6. Puis ensuite, s'il les brise, ben j'en ai de plus, voilà. Ou s'il les perd, etc. Car ça arrive. ensuite, ici j'en ai acheté des petits autos que j'ai trouvé chez Winner. C'est 3 ans et plus. Mais je trouve que des fois, là, j'ai pas vraiment... Je veux dire, Oliver, il joue avec des jouets de 3 ans et plus. Depuis peut-être 2-3 mois ou même plus que ça. Donc, voilà, ce sont des petits autos. 5 autos pour 5$. Donc, je les ai trouvés chez Winners. Donc, les voilà. Puis, en fait, eux, ce qu'ils font, les petits autos là, c'est qu'ils bougent vers arrière. Au fond, les voici, ils sont vraiment petits, donc ça rentre bien dans le bas. Donc, on les met en arrière comme ça, puis comme ils courent partout vraiment seuls, donc c'est vraiment le fun. Je pense que ça va être le fun pour lui, intéressant et tout ça. Car il adore les autos vraiment, donc je pense que c'est normal. Hein? C'est un garçon. Donc, dans le même thème, je vais vous montrer les autos que j'avais trouvées chez Walmart. J'ai trouvé, pareil, 5 autos pour 5$. Donc, voilà. Ça, c'est 3 ans et plus aussi. Mais comme je vous dis, il adore les petits autos comme ça. Donc, puis je les trouve cool, celle-là, parce que c'est la police. Puis c'est comme, c'est ça, c'est la police. Puis voilà, les enfants adorent ça. En tout cas, Oliver aime beaucoup, 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 beaucoup les autos. Donc, il va en avoir plusieurs dans son bas de Noël, vraiment. Mais je vous dis encore une fois, je vais pas les remettre avec les boîtes. Je vais ouvrir, puis je vais mettre vraiment juste les jouets, les autos. Je voulais lui mettre une petite peluche. Et là, j'ai trouvé une peluche trop mignonne à 3$ chez Dollarama. Un reine de neige, voilà, avec des gros yeux. C'est trop cute, moi, je trouvais ça trop, trop mignon. Donc, je me suis dit, oui, je vais prendre, c'est sûr, c'est fin. Ensuite, j'ai trouvé chez Walmart, j'ai trouvé un jouet pour les bains, parce que lui, il adore, hein, on s'entend, Paw Patrol. Je pense que tous les enfants adorent, j'ai aucune idée de ce qu'il y en a, mais moi aussi, je les regarde, là, en passant. Mais je l'aime beaucoup, mais voilà, Oliver aime beaucoup, beaucoup, donc j'ai le prix Ruben, parce qu'il aime beaucoup Ruben puis Rocky. Comme... Ben, il les aime tous, mais Ruben puis Rocky, j'en ai aucune idée, mais il les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je lui ai pris un Ruben. Donc, je lui ai pris un petit Ruben comme ça pour les bains. Ah, je me souviens pas le prix, mais il était comme... C'est 3 ans et plus encore, mais je vous dis, c'est pas grave. Le prix, je l'ai pris environ 3$, je pense, il coûtait, ou 5$. Quelque chose comme ça, vraiment... J'ai pris des choses vraiment moins que 5$ chaque, donc celui-là, il est trop cute. Il va être trop content, je suis sûre et certaine. Là. Ensuite, je l'ai pris dans le même thème. Hein. La Paw Patrouille, je l'ai pris des cartes de jeu. Puis je sais qu'il est encore petit à jouer, mais je pense qu'il va aimer pareil, selon moi. Donc, je les ai achetés chez Dollarama 1,50$. Puis je les ai vus aussi à Walmart qui était, je pense, à 2$ ou 3$ aussi, mais plus grand. Donc voilà, j'en avais acheté ceux-là. Et ce sont vraiment des cartes, des jeux de cartes vraiment normales, mais la Paw de patrouille, hein? Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai pris des autocollants avec un album.
Donc à 1,25$ de chez Dollarama. Donc voilà, parce que Oliver adore les collants. Ça c'est un petit album, un petit livre où il peut mettre les collants de Noël au fond. Donc ça a l'air à ça. Puis je trouve que c'est intéressant pour Noël de mettre des choses dans le bas de Noël qui sont représentatives pour Noël. Donc dans ce même thème, j'ai acheté un bas de Noël, mais par contre de 1,50$, mais un bas comme ça en tissu avec des genres de stylo feutre qu'il peut dessiner, colorier. Donc je pense qu'il va beaucoup aimer ça. Puis voilà, ensuite il y avait comme des ensembles, les sacs de surprise de Père Noël qui ont coûté 1,50$ aussi. Puis il y en a, comme vous pouvez voir ici, il y en a des stickers, un livre à colorier avec des petits crayons. Donc c'est vraiment cool je pense, puis il va beaucoup aimer ça comme je vous dis. Ensuite je l'ai pris un petit jouet à 1,50$ encore une fois. Puis ce sont des petits jeux en cube, donc ça a l'air à ça. Puis il y en a différentes images au fond où il peut le faire, c'est 9 cubes, puis il peut faire comme des images avec et tout ça, s'amuser. Puis ça c'est 3 ans et plus, mais bon. Et la dernière chose, mais pas la moindre, je voulais lui mettre des chocolats, gâteries. Puis dernièrement, il capote sur ces chocolats-là, il adore, ok? Il adore ces chocolats-là. Ce sont des Russell Stover de Guimauve au chocolat au lait. Il les adore. C'est comme 2 pour 1$. Partout, vous pouvez les trouver chez Jean Coutu, Pharmaprix, Dollarama, partout, 2 pour 1$. Donc je lui ai pris 2. Voilà, il les adore, mais je pense que je vais lui prendre plusieurs. Puis j'en ai pris Kit Kat, des petits formats pour mettre dans le bas, car il aime beaucoup aussi. Donc voilà, des petits formats comme ça, où vous pouvez trouver vraiment Pharmaprix, Jean Coutu, encore une fois, Dollarama aussi. Il coûte environ 2$, 1,75$. Donc, voilà, donc c'est ça que je vais mettre dans le bas de Noël d'Oliver, puis je pense qu'il va beaucoup aimer. Vraiment, je voulais qu'il y en ait un peluche, des sucreries, je voulais qu'il y en ait des autocollants, des jeux, je voulais qu'il y en ait des petits jouets, les sifflets, etc. qu'il va adorer, les cartes, les autos. Je voulais vraiment qu'il y ait une auto dans son bas de Noël, puis des activités à propos de Noël et tout ça. Donc j'en ai tout ça. Ah, puis en plus la figurine que je pense qu'il va adorer en passant. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a donné des idées. C'est sûr que moi je voulais pas trop acheter des grosses choses pour son bas de Noël, car il va recevoir beaucoup de choses à Noël, puis je pense que les bas de Noël c'est comme un petit plus à tout ce qu'il va recevoir, parce qu'il va recevoir pas mal de surprises à Noël et tout ça. Donc je voulais pas trop en faire non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être inspiré, donner des idées peut-être, j'en ai qu'une idée, j'espère en tout cas. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Mouah, gros bisous, puis on va se voir dans ma prochaine vidéo. Bye!